Oh, c'est pas mal ça, entre les deux tornades. Waouh, c'est quoi cette tour? Alors là, je m'attendais pas à ça. Folie, 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 folie! Ah! D'accord. Et on continue le let's play sur Dragon Quest Builder 2 sur PS4 Pro. Et on a le roi qui nous demande. On va aller voir ce qu'il nous veut. Non, pas toi. Le King. Ok, bon, il est en train de prendre toutes les portes. On va les suivre hein, jusqu'à l'église. Je suis certes roi Pooch, mais je suis avant tout un homme de Ruisselune. Avais-je moi aussi contribué à la construction de la tour? Aussi, vais-je... Ah, il veut contribuer, d'accord, j'ai mal lu. J'étais pas dedans, j'ai mal lu. Ce dit, il va nous falloir des matériaux pour construire et j'hésite à demander à Pooch d'aller en récupérer après tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'ici. Pendant l'autorisation nécessaire pour... Ok. Ah bah c'est bien, ils vont chercher les ressources. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Exactement, je suis triste pour mon petit Malroth. Ok. C'est le plus beau marbre. Le coton et le bois que j'ai récupéré n'ont peut-être l'air de rien, mais sont d'une qualité inégalable. Pendant que tu étais occupé à récolter ces meilleurs matériaux, regarde combien de blocs de murs d'enceinte j'ai fait construire. Bon, ils sont en train de s'embrouiller tous les deux à qui est la plus grosse. Ok. Vous avez tout prouvé, les amis. Il n'y a pas de souci. Bien, tous les matériaux sont dans le coffre. Allez, construisons! Redonnons ces lettres de noblesse à Ruisselune. Alors, Esther, j'ai examiné votre dernier plan, ma brebis, et il semble que nous aurons besoin d'un orbe d'énergie pour compléter la structure. Mais vous devez pouvoir vous procurer cet objet, et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où vous pourrez le trouver. Au nord du château de Ruisselune, tout au sommet d'une falaise repose une statue de la déesse, le regard dirigé vers l'océan. Elle veille sur un phare surplombant la côte, au sein duquel se trouve l'orbe d'énergie. Amène Athéna et Marcel avec toi pour récupérer le trésor. Ok, ok, ok. Bon, on va prendre Athéna. On n'a pas confiance en elle, mais bon. Nouvelle destination. Voilà, ça c'est cool. Une nouvelle destination. C'est toujours... Ok. Alors, où est-elle cette destination? C'est par là-bas. Oh, attendez. C'est où? Ah oui, c'est là-bas, d'accord. Ok, droit devant. Droit devant, capitaine. Ah, il fait nuit. On va passer la nuit peut-être, non? Je pense que c'est plus sage. On va passer la nuit tranquillement et puis on ira au petit matin. On peut s'éviter des petites attaques fantômes et tout ça, ça serait cool. Attendez deux secondes. Oula. Attendez deux petites secondes là. Ok, j'ai juste un petit problème. Voilà. J'ai eu peur que mon enregistrement se soit arrêté. C'est bon. Bon, on va y aller.
C'est par là, ben. Ils me suivent les deux, oeufs ou pas? Ah bon? Attends, en fait j'y vais tout seul, c'est ça? Ah non, c'est bon. Ah, j'ai peur. Pas que j'ai peur d'y aller tout seul, mais bon. Toujours mieux accompagné de gens qui savent se battre. Encore une fois, on n'a pas une puissance de frappe folle. Le seul qui était fort, c'était Malroth. Et Malroth, il s'est fait emprisonner. Donc, voilà, on a compris le problème. Les petits oisillons, on les laisse. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre point de chute, notre destination, qui est juste là. Ah, ça va, c'est pas loin, en fait. Ok, on y est. Bon, on a fait vite. Ça doit être la statue de la déesse dont sa majesté nous a parlé. Oula, le temps, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ce phare, je ne vois absolument rien. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de planer dans cette direction et de croiser les doigts. Sachez ceci, Pouche et les tornades sont monnaie courante en dans ces mers. Alors veillez à les éviter ou nous subirons le même sort. Ok. On va aller par là. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire par les tornades. Moi je pensais que c'était des tornades. Vous voyez le genre de tornades qui peuvent nous faire prendre de la hauteur, mais pas du tout. Ces tornades, je pense, qui te ramènent. Oh, c'est pas mal ça, entre les deux tornades. Waouh, c'est quoi cette tour? Alors là, je m'attendais pas à ça. Waouh, c'est magnifique ici. Oh, c'est beau ici. Il y a un orbe, un téléporteur. Allons voir. Ah, il semble avoir un accès de ce côté-là. Voyons, cela ne mène, vous voulez bien. Ok, on va d'abord enregistrer la téléportation. Le Naviglobe, bien entendu. Bah écoutez, on va aller par là. J'ai déjà d'aller ici, on y va. Ok, là on voit absolument plus rien. Alors, mais qu'est-ce donc que cela? Regardez, un monstre. Ok, alors lui, il nous entraîne vers notre mort, je le sens. J'ai envie d'arnaquer, de passer par là. Vous pensez que c'est possible de passer par là? On va tenter, non? J'ai envie de faire le tout. Oh, wow. Pardon le jeu, j'ai essayé de t'arnaquer. Excuse-moi, pardon le jeu. J'aurais pas dû. Ah, je suis tombé. Incroyable. Waouh. Heureusement. Ah, je suis pas mort, je suis tombé de haut. J'ai voulu essayer de mettre le... Comment ça s'appelle? J'aurais pu me TP en fait jusque là, non? Ouais, c'est pas grave. J'essaie de mettre le paravole là, mais il n'est pas sorti. Mais je vais refaire le tour par la gauche, ça me décourage pas. On repart sur la gauche. Sauf que j'y vais un peu plus prudemment. Je vais éviter de retomber, ce serait dommage. Ok. Ça bouge? La cible bouge à vous ou quoi? Est-ce qu'il attend vraiment que... Non, il bouge pas. En fait, c'est exactement la même chose, c'est juste une porte quoi. Parler! Non, c'est pas ça. Je veux pas te parler, je veux lire la pancarte. Je peux pas la lire? Attends, viens là. Venez là. Vous voulez pas venir? Très bien. Lire. Que l'aspirant héros entre en ce lieu pour accomplir sa destinée. Vous sentez le piège ou pas? Waouh! Sur tes papous, je sens quelque chose dans cet endroit. Bon, vous savez quoi? On a vu qu'il y avait un truc de TP ici. Donc on va se TP, tout simplement. Ça évitera de refaire toute la route. Bon, ok, il y a des pièges. C'est intéressant. Alors après, je sentais le piège. Mais j'aurais dû rapprocher la caméra. La caméra s'est d'un coup éloignée. Et je suis tombé dedans, tel un bleu. C'est le bleu. Voilà qui est étrange. Où sont les plus passés? Oui, c'est suspect. Mais qu'importe, venez. Ok. Ça, je l'ai pas eu tout à l'heure. Ah, mais c'est en bas maintenant. Quoi? Bon. Ah, mais c'était vraiment en bas qu'il fallait aller?
Attends, c'est en bas qu'il faut aller? Oh mince. Ah, j'étais au bon endroit en fait. Je savais pas que ça avait changé la place. Bon. Ok. Oui. On est d'accord. Attends. Non. On doit aller où? Où doit-on aller? Attends, il y a un truc là? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On doit aller où? Oh, peut-être faut aller en bas. Ah, par là peut-être. Par là peut-être. Oh, c'est quoi ça? Pour savourer le délice divin de s'élever vers notre destin, sautez dans l'eau rouge d'une galipette et veillez à ne pas heurter votre tête. Mais pour davantage vous élever, le verre vous choisirez 1, 2, 3, saut et vous irez encore plus haut. On doit essayer de trouver ce fameux orbe d'énergie. Waouh! Waouh! Je vois rien, je sais pas où je suis, je vois rien. Oh là là, oh pour la caméra, c'est une catastrophe. L'orbe, où est cet orbe? Voilà, là ça va jouer sur la caméra, c'est pas cool. Tout va se jouer. Je joue sur la, cette foutue caméra, et vu qu'elle est pas terrible... Alors, ça sent le piège. Ô héros, dans le besoin, à ta cupidité ne cède point, tu ne trouveras point ce que tu cherches ici, mais seulement souffrance et danger infini. Bon. Le piège ici. Voilà. Ok, c'était sûr. Non mais c'était sûr ça. Il fait super mal ce coffre. Il fait très très mal ce coffre. C'est incredible. Ok, attendons. Attendons de voir. Nous on est passé par là-bas. Peut-être par là. Je sais plus par où on est passé en fait. Je sais plus par où on est passé. Ok. Difficile de voir quoi que ce soit. Attendez, là il n'y a rien, là il y a du vert, là il y a du rouge. On va prendre le rouge. On sait si on est quelque part ou pas. Attends, il y a une vue FPS dans le jeu? Depuis quand il y a une vue FPS? Attendez, depuis quand il y a une vue FPS dans le jeu? Me dis pas que c'est depuis le début. Non, il y a une vue FPS depuis le début? Non, c'est une mise à jour ça, c'est pas possible. J'étais pas au courant qu'il y avait une... Alors là, très honnêtement, je savais... Ça me dit rien la vue FPS, c'est incroyable. Une vue FPS, mais ça règle les problèmes de caméra. Mais c'est fou, ils ont trouvé la solution. Voilà, quand la caméra est trop collée, tu mets un petit coup de VFPS et c'est cool. Elle est où, Athéna? Ah. Ça sent mauvais ici. Vous voulez zoomer le héros, c'est ce qu'on va voir. Ok, c'est cool de se prendre des gifles. Alors là, là pour le coup, Malroth, il va me manquer énormément. Parce que mon petit Malroth... Je vais pas dire, mais c'était un petit peu un monstre, mon petit Malroth. Ok, tu restes cool, tu restes cool. Ok, ok, ça prend des dégâts. Là, ça va m'envoyer un petit caméa. Hop, petite boule de feu, on l'esquive tranquillement. Oh, ça c'est pas gentil, monsieur.
C'est pas gentil, monsieur le monsieur Spyro le dragon. Je crois que t'as pas reconnu Spyro. Voilà. Les monstres sont vaincus, mais bien sûr. Alors, est-ce que c'est ça ce qu'on cherche? Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Orbe d'énergie. Eh ben, c'est parfait. Oh, ça va, c'était pas trop dur. Qu'est-ce que... Ah oui, il s'agit de l'orbe d'énergie Bigre. Cet orbe n'a pas volé son nom. Je sens son énergie ici. Il nous aidera sûrement, certainement, à vaincre Atlas. Il y a tout de même quelque chose que je ne saisis pas. Que faisait donc un trésor dans cet endroit? Qui a construit ce fanal et pourquoi? Il est en plein milieu de l'océan, sans rien alentour, comme s'il sortait d'un autre monde, d'une sorte de rêve. Qu'importe, nous avons ce pourquoi nous sommes venus. Retournons au château pour finir la construction du plan. Attends, on ouvre l'autre coffre quand même. Qu'est-ce donc que ceci? Graine de vie. Ah, c'est pas mal ça, graine de vie. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus alambiqué, de plus complexe, mais bon. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. On retourne au château. Allez, go. Ah, surtout avec l'énigme là des ressorts rouges et verts, je pensais que ça serait quelque chose de plus difficile à cerner, mais bon, mais pas du tout. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Beau travail, ma brebis. Vous avez trouvé le phare et rapporté l'orbe d'énergie. Dès que les habitants auront terminé de bâtir la tour, il se verra d'ajouter l'orbe tout en haut pour finaliser la construction du plan. Toutefois, je ne veux pas vous inquiéter, Pooch, mais je dois vous prévenir que j'ai senti une présence malveillante dans le château dernièrement. Je ne peux m'empêcher de penser que l'emprisonnement de Malroad n'est peut-être pas dans l'intérêt du château, mais le dessein d'une entité maléfique. Nos chances de gagner cette guerre grandissent de jour en jour, et pourtant, quelqu'un parmi nous semble toujours œuvrer pour le camp adverse. Qui que soit cet âme égaré, il semble que peu lui importe l'issue des combats, cette trahison doit être motivée par autre chose. Je sais pas pourquoi la caméra a zoomé comme ça d'un coup, c'est pas grave. Bon, les cœurs, c'est plus la peine. Hein. Bon, c'est plus la peine, les cœurs. Ah! La tour imprenable! La voilà, la magnifique tour imprenable. Elle est où? Ils sont où d'ailleurs? Ils sont partis où? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Félicitations, la construction du plan est terminée. Pour qu'une tour de charge... Oula! Pour qu'une tour de charge... Quoi? Ah, plus qu'un tour de charge, waouh! Plus qu'un tour de charge et un emplacement pour l'arme elle-même à construire. Et notre canon giga-foudre sera opérationnel. Pardon, nous devons également libérer Malroad du donjon, dis-tu? Prudence, Pooch, en matière de traître, agir avec empressement est une erreur. Si nous dévoilons notre jeu trop vite, nous risquons de tout perdre. Pour le moment, réjouissons-nous que la première tour soit construite. Enfin, presque, il ne te reste plus qu'à placer l'orbe d'énergie sur l'estrade. Alors, attendez, hop, on prend ça, on range tout ça. Ok, on range l'orbe d'énergie, où est-elle? Je l'avais vue, je la voyais, je la vois plus. Elle est... Non, ça c'est des trucs de foudre, rien à voir. Je dois en voir qu'une seule, je la vois pas, elle est là. J'y arrive, mes amis, j'y arrive. On va placer cette orbe. Ah oui, elle est pas petite l'orbe en fait. Ah oui, ah ça prend toute la place, ok. Voilà. Voilà qui est fait. Allez, viens, on va terminer notre quête. Magnifique, maintenant que l'orbe d'énergie est en place, la tour de charge est prête à fonctionner. Sa Majesté nous a dit que cette tour ainsi que la suivante serviront... La tour transmettant l'énergie au canon giga-foudre et nous pourrons effectuer un tir surpuissant d'énergie pure. Pardon cela, tu es toi-même très puissant, certes pas physiquement, mais dans ta capacité à inspirer autrui. J'ai peut-être une idée de la manière dont tu pourrais diriger les hommes au combat, tout comme tu as inspiré les habitants à construire. Je vais m'entraîner avec le roi. Prodigieux, Pooch, c'est la plus belle tour que j'ai jamais vue. Il ne reste plus qu'à la gorger de l'énergie bouillonnante de tous les hommes et les femmes de ce beau royaume. Sujet de Russie, rassemblez-vous. Levez tous les mains en direction de la tour, offrez-lui votre énergie pour défendre le royaume.
On va lancer le Genkidama. Je ne pensais pas que nous aurions tant de force. Ok, on lui est en train de chanter ses chansons toujours. Nous devons engranger davantage d'énergie à mes demi sujets. Il est donc temps de dessiner le plan de la seconde tour. Allez, la tour imprenable numéro 2. Allez-y, c'est parti. On vous laisse faire. Je me demande pourquoi il n'a pas encore été frappé. Avec sa puissance colossale, il pourrait nous exterminer comme on lui semble. Atlas est avide de destruction. Il attend que nous ayons achevé la construction pour qu'au moment où il frappera, il y ait d'autant plus à détruire. Ainsi, notre volonté sera brisée pour de bon. Allez, construisez-moi ça! Ok, il veut quoi, papy? Ah, on se fait attaquer. L'orbe mystique. En or de l'Andelune. Ok. Je sais pas s'il y a une attaque là, mais j'ai l'impression, donc on va essayer de se TP, de s'échapper avant qu'on se fasse attaquer. Je crois que ça c'est la musique quand il y a une attaque, je crois, hein, si je me rappelle bien. On va les laisser, nous on va, pardon mesdames, messieurs. Ok, on y va, on va traverser la forêt. Il y a un truc à gauche là, il y a un point d'interrogation, faudra que je vois ce que c'est. Il est juste là devant. Hein. Attends, il est où? Il est en bas ou il est en haut? On le voit pas là. Mais s'il est tout en bas, je vais pas y aller. Mais s'il est sur le côté haut, je vais y aller. Attendez, est-ce qu'on y est là? On y est bientôt. Je pense qu'il doit être. Ah, ça doit être là-haut en fait. Ah, ça doit être là-haut. Alors, on va sortir nos fameux blocs. Les blocs de constru que j'ai en trop, voilà. On va aller voir ce que c'est. Ça m'intrigue en fait, depuis un moment je voulais y aller. Bon. Bon. Ah, c'est en bas! Ah, c'est en bas! Ah, c'est en bas, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis monté tout en haut, c'est en bas. Bon, c'est rigolo! C'est rigolo! Bon, alors attendez. Il faut juste trouver le truc ici. Alors, vue FPS. Ah, il est bien la vue FPS! Okay. Attendez là. Ça? Non? Non? Qu'est-ce que je dois faire là? Attendez. C'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire là? Mais c'est pas évident tout ça. Si je fais ça. Ok, pas du tout. Ça. Si je fais juste une ligne en fait. Non, ça marche pas. Peut-être rien à voir avec ça. Hein. Ok, non, là je l'ai pas là. Là je l'ai pas.
Non, ben vous savez quoi? Je l'ai pas. On va tracer! Salut! Salut! La boubou de là-bas aussi, il y a tout le monde. Tout le monde est sorti. Ah, mais c'est vrai qu'on peut se transformer. Voilà. Comme ça, on se fait pas embêter. Comme ça, bon, on se fait pas embêter. J'avais oublié ce truc-là. C'est bien parce que ça transforme tout le monde. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Moi, on se fait pas poursuivre tout le long du trajet. Bon, nous y voici. Nous y voilà. Nous sommes arrivés à destination. Le pas de Glulin était une jolie petite caverne autrefois, mais elle était engloutie par la mer. Il se passe dehors. Ah! Oui, d'accord. D'accord. Oui, c'est le truc qu'on avait vu une fois. Ce qu'on avait vu une fois, on était passé une fois ici. Et j'ai voulu plonger, mais en fait, j'avais d'autres choses à faire, d'autres quêtes dans le coin. Je m'étais dit, bon, de toute façon, on y retournera. Et bien, c'est maintenant. Il faut bien plonger là-dedans. Gloops, vous savez nager, qu'est-ce que vous voulez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous dirai tout ce que vous voulez, mais pitié, me faites pas de mal. Oh, je sais, je parie que vous cherchez le trésor qui est caché tout au fond du pas de Glulin, c'est ça? Mais c'est difficile de l'atteindre sans savoir respirer sous l'eau. Vous vous noierez avant même d'avoir fait la moitié du chemin. Peut-être que ces gros coquillages pourraient vous aider si vous respirez les glules d'air qu'ils produisent. Vous pourrez peut-être nager jusqu'au bout du tunnel. Allez-y, essayez, mais faites attention aux méduses. Si elles vous piquent, vous serez englué pendant un moment. Ok. Ok, on va pas prendre de coffre. Oh, des bulles d'air, je les vois. Ah, là-bas, les bulles d'air, ok. J'ai voulu prendre le coffre, mais c'est un peu Shovel Knight, quoi. Attends. Oh! Je me suis fait gifler. Waouh! Oh, il est chaud ce passage. Ok. Donc en fait, les coquillages, il faut attendre qu'ils lâchent leur plus belle bulle d'air. Voilà. Vous allez vous faire pincer. Ah, je peux vous ouvrir? Bon. Changer d'apparence. Je sais pas si c'est le bon moment. Ah, se battre sous l'eau. Déjà que se battre sur terre, c'est compliqué. Alors se battre sous l'eau, je vous raconte même pas. Je suis sous l'eau, je mange mon petit sandwich. Au calme, tranquille. Comment ça? Vous galérez les poteaux ou pas? Il m'a mis un coup alors qu'il est. Il m'a mis un coup de pince arrière, c'est pas mal. L'avantage c'est que je peux esquiver par le haut. Comme si je volais en fait. Ça c'est pas mal. On a des pinces de crabe. Waouh. Pas trop mal toi avec tes yeux. Tes yeux coquillards là. Oui, ils respirent pas, c'est ça qui est bien avec mes amis là. Ma bande, ils ont pas besoin de respirer. Ok. Les monstres sont vaincus. Les sous-ma-monstres. Qu'est-ce que c'est? Ah, le coffre s'est ouvert du coup? Pro de la natation, mais bien sûr. Ah. Ah, c'est ça? Ok. Je dis pas qu'ils vont parler sous l'eau. Ah non, mais ils respectent rien. On est sous l'eau, les gars, vous pouvez pas me parler. Vous avez pas le droit de me parler, on est sous l'eau. Respectez un peu, non? Ouais, ils ont rien respecté, là. On est sous l'eau et ils me parlent. Pourquoi pas? Bon, c'est pas grave. On est sous l'eau et ils me parlent. Bravo, c'est bien joué, mon pote. On est sous l'eau, respecte. Je sais pas.
Bon, mais c'est bien. Non, je vais pas te parler, toi. Je vais ouvrir des portes, en fait. Alors, voilà. Oui, on a trouvé. Ah, le second tour est achevé. Ah bon? Elle est où? Qu'après avoir passé autant de temps sur cette île, il finira par découvrir son terrible secret. Le phare et le pas de Gualine ne sont plus ce qu'ils étaient par le passé. Et le château de Russelune n'est pas en reste non plus, car vois-tu, les hordes de Chaos l'ont rasé autrefois, mais les habitants sont revenus et l'ont reconstruit. Je ne sais pas comment je... Hein? Je ne sais pas comment je le sais, ni ce que cela peut signifier. Tout ce que je sais, c'est que je le sais. Ok. Depuis que j'ai entendu résonner la cloche du bâtisseur, des millions de souvenirs vagues de ce monde me sont revenus, soulevant tout autant de questions. J'ai bien l'intention de percer ce mystère. Sache que je te tiendrai informé de mes avancées sur le sujet. Diak, elle est où la seconde tour qu'ils ont construite? Ah, mais elle n'est pas terminée! Il m'a dit qu'elle est terminée! Elle n'est pas finie! Bon, mais on va dormir, non? Nous, on a autre chose à faire, on doit dormir. Les parents qui travaillent toute la nuit pour la terminer, la tour, ça serait bien. Bon, apparemment, ils n'ont pas travaillé toute la nuit. Bon, ça, c'est pas très bien, ça, les gars. Ça aurait été bien de travailler toute la nuit pour finir la tour. On est obligé d'attendre, c'est ça? Ah, ils ont été lents. En fait, ou bien j'étais trop rapide, non. J'ai pas été si rapide que ça. Vous savez quoi? En attendant, on va se préparer un peu de recharge. On va récupérer ça. Ok. Une feuille. Pas très sympathique tout ça. Alors, c'est quoi ça? Feuille médicinale, c'est quoi ça déjà? Herbe curative, guérir des effets du poison. Pour l'instant, on va pas en faire, on va faire ça plutôt. Voilà, on va faire ça. Au niveau du manger, est-ce que vous avez de quoi grailler? J'ai du crabe en fait. Ah, je peux faire du crabe du coup. Bon, on va cuisiner juste du crabe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le coffre? Ils ont mis à manger ou pas? Ah, d'accord, ça ne met pas à manger dans les coffres. Ok, c'est bien. Sympa. Alors, il y a quoi là? Il n'y a rien. C'est bien, c'est cool. C'est super. Ça fait plaisir. Dommage que je puisse pas en mettre plusieurs. Je voulais voir un truc, l'enclume. Où j'ai mis l'enclume? Je l'ai mis où l'enclume? Je l'ai pas mis. Ah, j'ai là. Est-ce que j'ai pas une. Est-ce que le bouclier. Je l'ai le bouclier d'acier ou pas? Je sais même pas si je l'ai. J'ai quoi moi sur moi? Ah, si, j'ai le bouclier d'acier et j'ai. J'ai l'épée large d'acier, bouclier d'acier et armure magique. Bouclier d'acier, l'épée, j'ai la max, je pense. Plus 64. Ça, c'est du malrot, malheureusement. Que celles-là sont pas très puissantes. Celui-là, oui. 88. Et j'ai l'armure magique. Armure de fer. Armure magique, 42. Non, armure de plate, 42. Et la mienne, elle fait combien de protection? 48. 48, c'est toujours mieux. Bon, c'est mieux. Ok. Du coup, on va la garder. Ça, on range dans l'inventaire, on n'en a pas besoin. Des cours. Bon, la tour, vous avancez ou pas? On va attendre qu'ils finissent la tour. Là, en fait, j'ai rien à faire, mais j'ai juste à attendre, quoi. J'ai rien à faire. Je vais recueillir mon crabe. Alors, je sais qu'on peut mélanger, mettre de l'eau, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais... j'ai pas envie. Je veux juste manger du bon crabe. Ça donne 20 en plus, c'est pas mal 20. C'est pas mal.
Ok, maintenant. Ah oui, on peut passer en VRL même de là. Alors la vue FPS par contre. Aïe aïe aïe, ça c'est du bon ça. La vue FPS elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment bien. Bon, on a l'air tout petit pour le coup. Mais en même temps, voilà, ça nous donne une idée du gigantisme de ce qui nous entoure. On va faire un combat FPS. Attends, d'abord faut que je les repère parce qu'en FPS il est repéré. Ah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ah, c'est une vue vomitesse aussi. Hein. Oh, il y a des géants. Attends, attends, on va voir quand t'es géant. Ah, ouais, c'est hard. Ah, c'est hard, ah, c'est injouable. C'est injouable. On voit rien, c'est injouable. Ah, tout le monde est figé. Ah, ouais, d'accord. C'est injouable, VFPS c'est injouable. En fait c'est pas fait pour être joué, c'est fait pour vraiment se débloquer quand... Ah la tour vient de finir, c'est bien. Laissez-nous vivre notre combat peut-être. Le roi, il y a juste des ennemis qui attaquent ton château, mais c'est pas grave, fais ce que tu veux. Hein. Tu préfères fanfaronner. En fait tes pièges qu'on a mis, ils sont inefficaces, ça rend fou. Il y en a un qui vient me voir avec une quête, tu sais, ouais, j'ai une mission pour toi. Ouais. Bah t'es bien gentil mon coco, mais... Moi aussi j'ai une mission pour vous. C'est vous aider à fracasser ces... ces imbéciles. C'est bon? Ok, il est où? Réparer le château aussi, il est cassé. Entretenir, il semble que... Ah, d'accord. T'inquiète pas, l'orbe mystique... Je l'ai. Je vais la poser direct de ce pas. D'un pas empressé et FPSC. On va le faire en FPS. Boum! Ah! J'ai fait boum. Boum boum, non? Il se passe rien. Alors, épatant, l'or métier s'en positionne à la perfection. Ainsi, la construction de la tour est achevée. Allez, deuxième tour. Genki-Dama bleu. Donnez votre énergie. Habitant de Risselune. Après le Genki-Dama vert. Le Genki-Dama vert. Le Genki-Dama bleu. On va faire le rouge. Le prochain sera rouge. Voilà. Donc là, il va y avoir une nouvelle quête. On va demander de faire une carte. De dessiner un plan. Ah, c'est même pas une quête en fait. C'est direct. Ok, celui-là, moi, je vois, c'est derrière la cloche. Ah oui, ça fait un triangle, en fait. C'est ça, droite-gauche. Ouais, ça fait une sorte de triangle, je suppose. Magnifique. Marcel, n'oublie pas que l'orgueil précède la chute. Je n'évoquerai pas nos chances de victoire avant que la paix ne soit effectivement revenue. Ok, on va voir ce qu'ils veulent maintenant comme dernier élément. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? L'orbe des héros. Désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais je crains que cet artefact ne repose au cœur même de l'enfer. Le récupérer ne sera pas des plus simples. Ah, Malroth. Cette nouvelle bannière de guerre. Les soldats de Russelune marcheront sous un seul et même étendard. La bannière est à toi, qu'elle te soit utile dans ta quête pour récupérer l'orbe des héros. Qu'est-ce que c'est? Bannière de guerre? C'est quoi ça?
Grâce à cette bannière de guerre, tu vas pouvoir prendre la tête de toute notre armée. Avec toi à l'avant-garde, nul doute que nous triompherons. Tu peux brandir la bannière comme tu manies l'épée. Mais c'est vite. Ok. D'accord. Si tu manies la bannière comme une arme, cela motivera les guerriers autour de toi et n'en seront que plus déterminés à combattre. Si tu utilises des broussaillages, tu rallieras notre armée à tes côtés. Et si elle se trouve déjà à tes côtés, cela lui donnera l'ordre de se retirer. Rien ne vaut la mise en pratique. Va pour t'équiper toi de la bannière et manie-la à ta guise. Une fois la bannière de guerre équipée, maintenez triangle pour charger votre énergie. Lorsque vous êtes relâché, vous pourrez faire venir des soldats à vos côtés. Répétez l'opération pour les renvoyer. Alors. À s'équiper. Waouh! Waouh! Attends, j'ai une quête à finir. Ah! Il est parti! Merde. Impressionnant, Pou, tu manies cette bannière comme un porte-étendard aguerri. J'espérais que ce soit Athéna qui dirige notre arme au combat, mais je vois à présent que tu es bien plus digne d'endosser ce rôle qu'elle. Maintenant que toute ta puissance militaire de Russulune te soutient, tu vas pouvoir honorer la requête de Sa Majesté et mener la charge au cœur même de l'enfer. D'accord, on va aller au cœur de l'enfer. C'est cool comme... Comment on a le droit de venir lui aussi? Pardonne-moi, mais une fois les graines du doute semées, il est difficile de les empêcher de germer. Sa présence ne ferait qu'envenimer les choses. Ce n'est pas le moment, mais cela ne saurait tarder, je te le promets. Ok, c'est dommage qu'on ait pas Malroth là. On se complique la tâche pour rien sans lui. Ok, bon, bah, écoutez les gars, on va y aller, hein. On y va. C'est pas mal ce truc. C'est où c'est où l'enfer, s'il vous plaît, c'est par là. Ouais, d'accord. Ah, il y a plein de points d'interrogation que j'ai pas fait, là. Ah oui, ça c'est la zone qu'on a vu la dernière fois, c'était pas mal, ça. Tombé dessus complètement par hasard. Un endroit justement paradisiaque, justement. Ah, attendez, suivez-moi. Je sais où je vais, mais pas trop. Ok. Bon, si on va, mais pas trop. Comme dirait l'autre. Ah, attendez, là. Ok, faut aller jusque là-bas. Ah, ouais, d'accord. On a un petit peu de route à faire, les amis. Suivez le porte-drapeau. On a du monde, là? Ah, c'est pas grave. Suivez votre guide. Suivez le chef. Regarde-moi ça. Je suis pas beau avec mon... Oh, l'armée des volants. Magnifique. J'ai raté, on les a mal vus. On va mieux les montrer ici, l'armée des volants. Vous êtes prêts à voir l'armée des volants ou pas? Attention, l'armée des volants! On est là, l'armée des volants! On est là, ayez peur, tremblez! Tremblez, villes ennemies! L'armée des volants qui zigzague! Oh là là, incroyable! En plus, on atterrit pile au bon endroit, si c'est pas beau ça! Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Que faites-vous ici? Vous n'avez pas l'intention d'entrer. Ah, mais c'est à lui qu'on avait donné du feu une fois. Je lui avais mis la petite... Non, c'était à lui, je crois.
mais la plupart des gens disent que c'est l'enfer. Ça fait tellement peur là-bas que vos genoux vont trembler comme de la gelée. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, je tremble déjà comme si... Ah, ok. Si vous insistez pour y aller, c'est pas moi qui vous y empêcherai. D'ailleurs, je prierai même Chaos pour que votre mort ne soit pas trop horrible. C'est ici? Attends, c'est là? On n'est pas déjà venu ici? On est déjà venu ici. Équipez-vous de la bannière de guerre et appuyez sur triangle pour agiter et ainsi encourager les soldats aux alentours. Il existe trois niveaux de puissance avant Crescendo. Allez, allez-y, frappez-les! Frappe, frappe, frappe! Ah, c'est bon ça d'être le chef en fait. Parce que toi, tu te bats pas. Juste, tu encourages. Allez! Gauche, droite, esquive! Vas-y, coup de couteau, coup d'épée! Vas-y! Un petit sort là, un petit sort. Vous n'avez pas des sorts? Il n'y a pas de sorciers ici? Où les sorciers? Il n'y en a pas. Ok, c'est pas grave. On encourage. Allez! Il n'en reste plus qu'un! Deux, il en reste deux! Bien joué, c'est bon ça, c'est ça qu'on veut voir. Pouah, ils sont forts mes boys. Ah, j'ai la meilleure armée du monde. Je veux pas, hein, pas pour juste jeter des fleurs, mais... Ah, par contre, eux, je les avais pas vus la dernière fois, les dinosaures, ça me dit rien. Par contre, du coup, moi je me bats pas, en fait. Ah, l'escroc que je me bats même pas en fait. Ah, j'ai pris un multi-soin. Ah, mais moi je vais les laisser faire, hein. y a pas moyen. Attends, tu sais quoi, on va se battre un peu. On va faire semblant d'être un chef qui se donne auprès de ses troupes. Oh, le dinosaure là par contre, une fois que t'es tombé, ah ok. Allez, on leur donne un peu de courage à nos amis, à notre armée d'élite. Wow, le robot qui envoie des trucs robotisés là, c'est fou lui. Non mais lui il est chaud parce qu'il se tourne, il met des coups de queue. Il est dur à éviter, et il croque en plus. Ok. Là on a pris cher par contre les gars. Je peux pas dire mais... Je lui tape les papates. Quand il fait une énergie rouge c'est qu'il attaque. Ils sont en train de s'entretuer un peu. Ils font mal hein. Alors là pour le coup... Il va tourner. Voilà. Autant le premier je disais que c'était facile, autant là ça devient compliqué. Parce qu'ils font très très mal. Voilà, premier. Oula, fou. Ah, j'ai mes menus qui sont mal. Tout le monde est au sol quasiment. Allez, terminez-le, il est fini là, terminez-le. Voilà, bien joué. Le niveau de Pooch augmente. Et pas celui de Malroth pour une fois. Pooch atteint le niveau 29. CPV max augmente. Alors, voilà, j'apprends une nouvelle recette, une nouvelle arme. Bouclier magique. Bouclier léger et lumineux fabriqué dans un métal magique. Défense plus 24 réduit les dégâts de feu et de glace. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Vu qu'on a un inventaire assez large. Nous ne sommes même pas encore arrivés à Neveria. Nous sommes chanceux si nous en sortons vivants. Je
te demande ce que fait Malroth en ce moment. Pas grand chose, je suppose. Après tout, il est toujours enfermé dans le donjon. Oh, puissant Malroth. Ah, ça recommence. Ça recommence, Malroth. Ils ont pas mis à jour leur texte qui dure des années, là. Tu pensais que le bâtisseur était ton ami, mais il t'a trahi. Il te laisse croupir dans ce donjon. Là, ils sont en train d'essayer de chercher les embrouilles entre Malroth et moi. Et ça, c'est pas cool. Non, tu te trompes, il a juste... Oh, puissant Malroth, ne vois-tu toujours pas la vérité? Le bâtisseur est un suppôt de la création et toi le maître de la destruction. Il ne peut exister aucune harmonie entre vous. Combien de fois il va falloir que je te le dise, tu te trompes de personne, je ne suis pas un maître de la destruction, ok? Alors pourquoi ne peux-tu pas construire? Pourquoi le miroir qui révèle la véritable forme de toute chose n'a reflété que du vide face à toi? Ah je comprends pas en fait qu'ils aient laissé des discours aussi longs, qu'ils aient pas donné la possibilité de les passer. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. Oh, je me suis trompé, j'ai voulu essayer de passer le truc, j'ai appuyé sur toutes les touches. Je comprends pas qu'ils aient pas laissé la possibilité en fait aux joueurs de passer ces scènes-là, ces séquences-là. Parce que c'est long, c'est très long. Cesse de te voiler la face, libère-toi de cette torture. Détruis au puissant Malroth, détruis tout autour de toi et accepte ta véritable existence. Tu étais un dieu et tu pourrais le redevenir. Tais-toi, ça suffit, j'en ai assez entendu. Sors de ma tête! Bon, on doit avancer, nous. Par contre, j'ai consommé énormément de soins, là. J'ai consommé beaucoup de soins. J'espère qu'il y aura un téléporteur. Ah ben oui, là, j'étais passé, ici. Ah, mais attends! Ah, mais c'est ici! C'est ici où j'étais allé! Ha! Ah, c'est ici où j'étais allé. Parce que... Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Il se passe quoi, là? Ah, je dois aller là-haut! Ah non, le jeu veut que j'aille là-haut. C'est ici où j'étais allé la dernière fois. On était venu ici, déjà. On est venu un peu en avance, j'avoue. Hein? On est venu un peu en avance, mais bon. Non, pas ça. Voilà, ça. Bon, il faut passer par en haut, apparemment. Ça, c'est un petit peu bête, ça, tu vois. Ça, c'est même complètement idiot, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu que comme ça. Faut passer par en haut, bon, pourquoi pas. On va aller en haut, comme ça, on aura une belle vue. Et en plus, je sais ce qu'il y a là-bas, maintenant. Je sais... Oh, il y a du monde là qui m'a suivi, c'est cool. Ils sont tous venus. Allez, voilà, faut se mettre ici pour avoir une vue d'ensemble, c'est ça? Et après, on fait quoi ici?
faut lui parler. Ah. Je sais pas si le jeu est pas complètement bugué là. Les amis. Je me pose des questions là. Est-ce qu'il y a pas... Il risquerait pas... Parler à Athéna ? Mais faut aller où ? Je sais pas où faut aller. Non mais je sais pas où faut aller là. Excusez-moi hein, mais mettre un coup ici. Est-ce que ça serait pas le château que j'avais trouvé là-bas là ? Ce fameux... Est-ce que ça serait pas ça ? Ah, j'ai peur de me TP. Quoi que je peux me TP là-bas, c'est pas grave. Est-ce que ça serait pas ça ? Le fameux enfer qu'ils me décrivent. Attendez, est-ce que le point a bougé ou est-ce qu'il est toujours coincé là-haut ? Ah, j'ai peur qu'il soit... Ah, il est toujours là-haut. Ah... Le point est toujours là-haut. Ah ouais, il est toujours là-haut, mais je fais quoi en fait ? Par où je pars ? Je suis censé passer par où ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je sais pas ce que je suis censé faire là. Je suis bloqué. Légèrement plus haut, c'est par là. D'accord. Ah ! Sérieusement ? J'ai raté mon saut. Bon. Est-ce que... comment... Je suis censé faire quoi, là ? Parce que le point, j'y suis, hein. Pas dire de bêtises, mais le point, je suis en plein dedans. Voilà, Athéna, faut faire quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire. Je casse ça. Sérieux, moi. Ok. J'ai l'impression que le jeu est complètement buggé. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bug, dans un sale bug, là. Je suis dans un bug, je crois, hein, parce que c'est pas normal. Mais il en est parti de là. Au début, on était en bas, puis il m'a télé... Ou bien, c'est pas en haut. C'est juste qu'il faut être en bas. Attendez, est-ce que ce serait pas par... ici? Ah, mais... Oh, mince. J'ai pris le... Non. Ici? Non, ça m'étonnerait. Non. Bon, le jeu est complètement bugué. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller au château qu'il y a là-bas. Le château là qu'on avait vu ici dans un épisode précédent. On va y aller. On va récupérer un peu de feuilles si on peut aussi en passant. Non. Le drapeau, on en aura logiquement pas trop besoin, vu que c'est quand même très pacifique ici. En tout cas, la première fois qu'on est venu ici, j'étais très surpris de voir à quel point c'était pacifique par là. Faut que j'aille de l'autre côté en fait, c'est carrément de l'autre côté, c'est par là-bas. C'est par là-bas qu'il faut aller. On va essayer d'aller au château, en espérant que ce soit là, que ce soit juste un petit bug d'affichage et pas non plus un bug... Comme je le crée un peu là, un gros bug complètement foiré.
Bon, là, je passerai pas trop, je crois. Comment j'étais allé au château? Il n'y a pas de téléporteur au château? Il n'y a pas de TP au château. Ah, j'ai dû passer par là, logiquement. De toute façon, il n'y a qu'une route. Voilà, il y avait lui. Je ah, c'est bon, on s'en rappelle maintenant. Il y avait lui. On ramasse des feuilles. Salut, mon pote. Donc, au début, je pensais qu'il allait m'attaquer. J'étais venu en mode infiltré, mais en fait. Il est tout gentil, il est tout mignon. Il est tout gentil. On va mettre un petit coup d'accélération ici. On va aller au château. Je sais pas si c'est là qu'il faut aller. En tout cas, si c'est pas là, ça veut dire que le jeu est complètement buggé. Et ça m'embêterait qu'il bug à ce moment de l'histoire parce que là, je pense qu'on a touche à la fin du jeu. En tout cas, je pense qu'on n'est plus très loin là. Et ça m'embêterait de pas pouvoir le finir. Medivin vous salue. M'attendez, n'est-ce pas là, Son Altesse Royale le Prince? Bienvenue chez vous, Votre Majesté. Quelle honte, je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment ai-je pu vouloir faire du mal à quelqu'un d'aussi bon que le grand prêtre Chaos? Ok, alors là, il y a le King qui doit être sur son trône, on va aller le voir. Bienvenue, je commençais à craindre qu'il ne te soit arrivé malheur face à Chaos, au sujet duquel nous nous sommes tant fourvoyés. Mais tu es indemne, ceci atteste, s'il en fallait la preuve, de la mansuétude de Chaos. C'est en tant que frère qu'il m'a accueilli et c'est avec joie que je le sers. Je te prie d'oublier la mission que je t'ai confiée, c'était pure folie que je te demandais, pure folie, folie. Folie, 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 folie. Ah. D'accord. Diantre, ils ont disparu. Ok, tout le monde disparaît. Tout comme ces marionnettes ont cessé d'exister, ce sera bientôt à votre tour. C'est votre destinée, tout comme la nôtre. Toute chose, illusion, mensonge a une fin. Mais nul ne sait quand viendra l'annihilation. Une chose est sûre toutefois. Il n'y a aucune échappatoire, le jour de la destruction approche et personne ne pourra y échapper. Il a allumé la lumière. De quoi diable parles-tu, démon? Ça n'a aucun sens. Laissez-moi vous expliquer plus simplement. Ce château a été créé par le tout-puissant Chaos et c'est ici que vous allez mourir. Diantre, aux armes tout le monde. Enfin les maudits humains vont disparaître. Sauve-toi, mon plus fidèle disciple. Tu as prouvé que tu faisais partie des nôtres. Viens, ta place est à mes côtés. C'est Athéna? Ah non, c'est pas Athéna? Martial, mais comment est-ce possible? Briser des amitiés, affaiblir l'armée et veiller à ce que le canon gigafoudre soit construit pour que les monstres puissent s'en emparer. Telle était ma mission, et bien que le chemin fût semé d'embûches, j'ai fini par atteindre tous mes objectifs. C'était lui le traître. Ah, on a tous cru que c'était Athéna. Waouh. Enfin, me voilà enfin changé en monstre. Merci. Martial et le cyclomage. Ok. Ok. Avec mon petit drapeau là, je pense que je vais servir à rien avec mon drapeau. Ok, alors attends, on va s'occuper de lui, on y va à deux. Viens là, mon pote. Waouh!
Ils envoient des... Ils sont hard, hein. C'est vrai que... Wow. Attends, calme-toi. On se calme. Oh, papa, on s'est calmé, les gars. C'est vrai que là, sans Malroth, c'est hard. Je vais pas faire le fragile, mais là, honnêtement, Malroth... Il nous aurait vachement aidé, là. Oh là là, un petit Malroth, ça aurait été pas de refus. Ils ont bien réussi leur coup, bravo. Bravo, bande de traîtres. Lui, j'ai envie de l'éclater, le traître. Hein. Ah, lui, il va frapper. Attention, lui, là-bas. Il faut frapper ceux-là, là. Parce que ceux-là, c'est ceux-là qui font mal avec leur traînée. Voilà. On va commencer par ceux-là. Ensuite, le traître number one. Martialou. Faut l'éclater, Martial. Martial, il faut l'éclater. Nous, on n'aime pas les traîtres. Faut qu'ils comprennent qu'on n'aime pas les traîtres. Lui aussi, là. Lui, il nous fait mal, lui, avec ses bêtises. Hein. J'aurais dû faire le bouclier. Je crois que je l'ai appris un peu tard, le bouclier. J'aurais pas eu le temps de le faire. À plusieurs, on va l'avoir à plusieurs. À plusieurs, je me fais pas trop de... Ouf. Je suis en train de le gifler là. Non, bah ça il est bugué. Ouais, il était bugué, j'ai pu l'enchaîner. Oh, j'ai pu l'enchaîner, je suis content. Attendez, on va manger du crabe. Voilà. C'est pas évident de se déplacer, de prendre un item dans le menu. Mais n'empêche qu'on a bien fait de venir ici par simple curiosité l'épisode d'avant. Parce que là, vu comment le jeu était bugué, j'aurais jamais trouvé où c'était. Là, je me suis dit, ça doit être là, le fameux enfer dont il parle. Voilà, Martialou est dead, il n'en manque plus qu'un. Allez, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Ben voilà! On s'est débarrassé de tout le monde. Pouf, j'ai cru qu'ils auraient raison de nous, mais nous nous en sommes sortis. Laisse-le, ce traître. Ce monde, ce mensonge, ça ne peut plus durer. Peu importe qui remportera cette maudite guerre, nous mourrons tous autant que nous sommes. Quel mensonge, mais de quoi parles-tu, Martial? Un jour, j'ai compris que tout ceci n'était qu'une illusion. J'ai tenté de parler avec Sa Majesté. Je l'ai supplié, mais il a refusé de m'écouter. C'est alors que le cyclomage est venu à moi. Il m'a dit qu'il me sauverait de la mort, à condition que je fasse mes preuves. Quand Pouch est arrivé et qu'il a fait sonner cette cloche, j'ai compris que c'était le moment de saisir ma chance et de prouver ce que je valais. Martial, mais... Les héritiers de Chaos sont souverains, tout comme ma foi. Je mourrai pour protéger leurs préceptes. Je vous connais, Athéna. Vous n'avez jamais eu la foi. Vous parliez de serments solennels et de devoirs sacrés, mais ce n'était que mensonge. J'ai échoué, vous aussi. Aucun humain n'est de taille face au tout-puissant Atlas. Luttez si vous le souhaitez, mais vous finirez par périr. Gloire à Chaos. Bon, ben Athéna, c'était pas toi. Il est où le cyclomage, Aïda? Mouahaha, vous vous êtes bien battu, mais il faut croire que je vous ai sous-estimé. Mais qu'importe, le jour de l'anéantissement est proche, ce monde d'illusion va bientôt cesser d'exister. Si seulement j'avais pu tous vous tuer de mes propres mains avant ce jour glorieux. Mais la victoire sera notre, misérable humain. Avez-vous réellement été assez stupide pour allier toute votre armée derrière ce bâtisseur? C'est ce qui semblerait, mouahaha. Ainsi, votre château se retrouve sans défense. Toute illusion que vous êtes... Vous serez tous massacrés. Je ne comprends rien. Que diable s'est-il passé ici? Ce château n'était-il qu'une illusion? Sommes-nous... Diantre! Pouch, regardez ce qu'il a laissé derrière lui. Serait-ce... voilà l'orbe des héros, ce qu'on cherchait. Mais c'est parfait.
Bon, mais les amis, on va s'arrêter là. Et on retourne à Russulune dans le prochain épisode. A plus !